Check bien la suite, ça devrait être intéressant. En tout cas, d'après moi. Fait que, prise 2, hein, deuxième vidéo, la police s'en vient. J'ai appelé la police, j'ai fait, je veux qu'elle se présente pour que je fasse ma plainte. Et la caisse, elle appelle la police aussi, de son côté pour... Je sais pas en fait pourquoi, mais en tout cas, on va voir la suite, les amis. Fait qu'on attend. Qu'ils savent c'est qui Patrick. Alias la Simonac qui a eu l'ablation des deux testicules. Fait que. Simon. Calmons. Respiros, expiros. Fait que on attend. Il va sûrement avoir d'autres Simonac qui vont arriver, mais on va voir si c'est des vrais Simonac. Ils sont en train de discuter, ils sont en pour parler. Fait que, je pense qu'ils sont dans le caca. Mm-hmm. Fait que, ils sont dans le caca parce que moi, t'as fait une calisse de plaintes. Moi, tu crées pas ça, puis on va faire ça ensemble. Okay, on va faire ça, tout, c'est toujours dans l'amour, dans le respect, puis c'est ça qui est important. Rester pacifique, puis tout. Mais là, je commence à être moins nerveux. Fait que, comment c'est habitué? Ça parle en tabarnak. Ils ne sont pas habitués d'avoir du monde normal qui vient dans leur magasin. Puis que j'ai appelé 911, puis là, ils me parlent de COVID. COVID? C'est quoi? C'est un cas de militaire, ça, c'est pas une crise de grippe? Là. Non, c'est une grippe. Le monde sont épais, c'est code militaire, c'est COVID-19, COVID-20, 21, 22, 23, 24, 25, c'est... As-tu entendu ça, toi, une grippe? Ah, la grippe 1. Ah, je suis rendu à la grippe 2. La grippe 3. Ouais, non, on est rendu à la grippe 4670. Boy, si, man. COVID-19, 20, 21. Si le monde embarque là-dedans, c'est n'importe quoi, c'est le cas. Fait que l'action s'en vient dans pas long, les amis. On va rester pacifique. Je pense que je vais chier dans mes pantalons. Ouais. Ça va... Je sais pas. Peut-être que ça va les repousser. Remarque que je sens c'est des pieds et que... c'est pas vrai. À un moment donné, hein, on va... Il faut appliquer. C'est ça qu'il faut faire, les amis. Puis là, il y en a beaucoup de plus en plus que ça fonctionne, là. Je reçois plein de vidéos. Il y en a qui ne veulent pas s'afficher, c'est correct, mais je reçois plein de vidéos. Ça rentre dans les commerces. Puis, ces affaires-là. Pas de masque. Fait que, c'est ça. La popo lisse s'en vient. Ce qui est important, c'est de rester pacifique, bien calme. Fait que, j'ai eu une bonne nuit de sommeil. Fait que, j'étais fatigué. Fait que, c'est tout le temps de porter un message dans l'être. Être humain. Parlez de moi. That's it. Fait qu'on va voir la suite. Fait que si les policiers endossent ça, mais je vais sûrement envoyer une poursuite aussi aux policiers. Fait que on va voir. C'est moment présent. C'est là, ici, maintenant. Puis on va voir la suite des choses. Fait qu'on regarde ça ensemble. Fait que là, il devrait y avoir pas mal beaucoup de policiers ici, étant donné qu'elle a appelé des polices, puis moi, j'ai appelé des polices. Fait qu'il devrait y avoir beaucoup de monde. Vous irez voir aussi en même temps. J'ai parlé les complotistes, ça a l'air qu'ils ont un site sur Facebook, les complotistes, là,
Vous devriez aller voir ça. Ils sont, c'est fou, là. Comment est-ce qu'ils décalissent le monde? C'est l'enfer. Nous, on est dans l'amour, puis eux autres, ils sont dans le mal. C'est carrément pathétique, leur affaire, c'est-tu. Puis il y a du monde qui sont là-dedans, là. Ça chie de la merde, style Chris. En tout cas, tu devrais voir ça, là. C'est quelqu'un qui me dit ça hier, c'est-tu. Elle suit les complotistes. Puis là, mais son tu sais, elle, dans le fond, il y a du monde qui me connaisse personnellement. Là. Fait que tu dois voir la méchanceté, la diffamation, mon gars, les complicités. C'est, allez voir ça sur Facebook, c'est incroyable. Ouais, là. Vous voulez voir quelque chose, là, la méchanceté du monde, là, c'est fou, mon gars. Et tout ce monde-là, là, tu sais, dans le fond, c'est du monde qui va avoir de la misère à... Comment est-ce qu'on dit ça? Asti, calice. Tu sais, quand t'es pogné avec une Simonac, là, asti, c'est... Le deuxième cerveau, il pogne sur le premier, man, c'est fou, là, j'oublie le... se repentir. Fait que, tu sais, ce monde-là qui blasse le monde, pis tout, c'est du monde qui sont pas capables, en général, j'imagine, de se repentir dans la vie. Et je trouve ça bien dommage, mais la sélection des élus va se faire juste à ceux qui vont se repentir. That's it, that's all. Fait que, c'est ça. On va voir la suite. La police s'en vient. J'aurais dû me faire la barbe ici. En tout cas, anyway. On va les accueillir demain. Là, qu'est-ce que je te dis? Fait que... Aussi, je répète, tu sais, quand on me dit « t'es pas game d'aller dans une banque » ou « t'es pas capable d'aller dans... » Tu sais, je fais pas exprès, moi, là, pour rentrer dans un magasin pour faire chier le monde. Là. Je rentre dans une place quand j'ai besoin de rentrer dans la place. Fait que... Anyway. Qu'on attend. Fait que ça, c'est la preuve. Encore une fois, qu'ils sont dans le néant. Fait que on va voir qu'est-ce qu'ils vont dire. Respirons. Respirons. On respire profondément. C'est notre stress. On va voir la suite, man. C'est sûr qu'ils ne voudront pas embarquer là-dedans. Puis... Check bien ça. Check bien, j'ai une petite surprise pour vous autres. On va l'essayer, même. Moi, je veux l'essayer, c'est-tu. Je vais l'essayer. Check bien ça. Après ça, c'est les poursuites. Ouais, parce que je sors du site. Je fais une poursuite. Dans la salle. On va demander des noms. On va voir si ça marche, hein. Tout le monde dit, ouais, fais ci. Oui, je vais l'essayer, man. Oui, je vous le dis. Je suis là pour vous montrer la preuve. Puis, that's it, on va le faire. Tu sais, j'ai fait un post ce matin comme quoi qu'à London, en Ontario, il y a une réserve qu'ils ont collé le variant là-dedans puis ils sont en train de mourir, cette affaire-là. Fait que c'est une information que j'ai eue. Puis, j'ai juste retransmis l'information au matin dans mon jargon. Puis là, il y a un ami qui m'a dit qu'il est allé valider puis qu'il y avait pas, c'était pas ça. Fait que j'ai effacé le post. Moi, si tu me dis des vérités, je vais les publier. That's it, that's all. Je suis là pour démontrer, hors de tout doute, que la vérité existe. Puis that's it, that's all, les amis. On va faire ce qu'il faut aussi. Fait que that's it. Là, le monde, il pense que je suis fucking gros, fucking big, man, puis je suis influent. Hey, t'es ça, man, c'est un gars bien normal, esti. Okay, je pèse 210 livres, esti. C'est mon appel, je fais 5 pieds 9. Avant, j'étais 270. J'avais la face ronde. Tu sais, ici, là, c'était rond. Là, c'est ovale. Anyway. Fait qu'on attend. Je suis à la caisse. Donc, je suis à la caisse. Je me suis fait opérer par une Simonac. Oui, j'ai eu l'ablation des deux testicules. Puis la petite part du masque, elle me donne des érections. C'est n'importe quoi, c'est. C'est n'importe quoi. Attends, mais je dis ça au policier, man. Je devrais tu la dire au policier? Qu'est-ce que vous en pensez? Je le dis-tu au policier? Ils vont me demander mes papiers. Pas pour baisser mes pantalons aussi puis montrer que j'ai plus de couilles. C'est n'importe quoi, man. Bon, ok.
que là, ça va être drôle. Parce que je ne sais pas comment voir ça, mais il va y avoir... Oui, monsieur? Bonjour. Ça va bien, monsieur? Bien, oui, ça va bien. Super. Donc, vous ne voulez pas porter le masque? C'est non, dans le fond, ma religion m'empêche de le porter. OK, je comprends. Parfait. Ça. Actuellement, nous, on est obligé de respecter les lois de la santé publique. OK. La santé publique nous exige, sous peine d'amende, okay, que tout le monde ait un masque. Puis c'est okay, des amendes importantes. Je ne sais plus du montant, mais c'est quelque chose que nous... Je ne veux pas vous en dire trop en erreur, mais c'est-tu 20 000, 30 000, 50 000 pour une compagnie qui ne respectait pas ça? OK. Ah, OK. Là, tu es en train de me dire que toi, tu as peur d'avoir une amende. Bien, en fait, on est obligé par la loi de faire respecter... Merci, Bois. Vous n'êtes pas renseigné. Savez-vous qui je suis, moi, monsieur? Non. Ça, je veux pas être, je ne veux pas être prétentieux, là, mais moi, je suis Patrick, dans le fond. Patrick, un Facebook paquet de Patrick. OK. OK. Moi, ma vie, elle vient d'être décollissée. Moi, j'avais une belle compagnie, toute la patente. Okay. Ça roulait, j'avais du fun. Et avec les mesures sanitaires qui sont sorties, ces affaires-là, moi, j'étais allé en cours, je leur ai demandé de me prouver qu'il y avait pandémie, puis ils n'ont pas voulu. Je leur ai demandé, en tout cas, j'ai fait un processus vraiment, vraiment ça accroche. C'est vraiment ça accroche, OK? À cette heure, faut que tu comprennes qu'il n'y a pas aucune loi qui sont relativement à ça, parce que le lieutenant-gouverneur n'a approuvé aucune loi de ça. C'est des décrets. Et excuse, je ne veux pas t'interrompre, mais j'ai dit, moi, là, en ce moment, j'ai des droits qui sont fondamentaux. OK. Puis moi, c'est correct, là. Toi, tu fais avec, selon la peur, ta conscience, cette affaire-là. Mais moi, il faut que tu saches que tu me fuses mon droit d'accès à mon privilège, là, dans le fond. Moi, c'est légal, je vais t'envoyer une poursuite. Puis c'est de même que je crée de l'argent, puis c'est de même que j'arrive à vivre. Okay, c'est bon, c'est ça, de façon-là. Fait que là, de l'amende de 50 000 que tu vas éviter... En passant, elle doit en train de filmer. Là. Oui, je suis en train de filmer. Ça, c'est illégal, par contre, dans l'institution. C'est correct, mais je ne suis pas en train de te filmer. Oui, mais... Là, parfait, excellent. Fait que là, ça, c'est réglé. Mais là, c'est ça. Là, tu vas éviter une amende de 50 000 pour une amende de 15 000. Pourquoi une amende de 15 000? Ben, parce que moi, je te poursuis après. OK. Ah ouais, c'est légal, puis on le fait, tout le monde le fait. Puis, OK. Ah ouais, c'est ça. Quand tu vois la mise en demeure, après ça, moi, je vais revenir, tu vas me reconnaître, puis tu vas savoir que c'est légit. OK. That's it. Fait que c'est dans les faits, dans l'expérience, mais là, étant donné qu'il y a personne qui est venu ici, puis t'a montré toutes ces expériences-là, puis faire valoir les droits. Mais là, t'en as un ici, Patrick. Malheureusement, chez Mackay, c'est ici. Okay. Fait que là, tu vas avoir une mise en demeure, une plainte, on va aller en cours, tout à fait. Fait que il y a des grosses chances que tu payes. OK. Écoutez, de toute façon, nous, le point là-dedans, c'est premièrement de filmer à l'intérieur d'une institution financière. Ça, c'est pas légal. Ça, OK, parfait. C'est juste ça, je vais essayer de passer une question si vous permettez. C'est juste ça. Ah oui, mais moi, je n'avais pas donné d'informations, là. Puis l'élément là-dedans, c'est. Ouais. Moi, je respecte ce que le mouvement des jardins, ce que la santé publique me demande de faire. Mm-hmm. Puis j'imagine que le port du masque, de même, vous l'avez fait dire ailleurs dans toutes les autres places que vous pouvez aller. Parce que dans les autres places, est-ce qu'ils voulaient se faire l'épicerie sans le masque? Est-ce que... Ben oui. Ah oui, OK. Oui, je fais des vidéos partout, tout à l'heure. OK. Oui, j'ai fait 10 jours de prison. J'ai tout perdu. J'ai plus rien. OK. Fait que la matière pour moi. À cause de la COVID. Ah, non, dans le fond, la santé publique, quand elle est venue, il y avait quelqu'un, mettons, j'ai posé la question si quelqu'un était en train de s'étouffer à côté de moi, mm-hmm, dans la COVID, si j'avais un droit, dans le fond, une obligation envers mon prochain de sauver la vie. Qu'est-ce que vous pensez que la santé publique a dit? Avez-vous une obligation, je ne sais pas. Dans le fond, la santé publique m'a dit de le laisser crever. Ah, oui. Ben oui, c'est surpris, hein? C'est surpris, tu peux aller voir, tout est là, toutes les vidéos sont là, toute la patente. Okay. Fait que je l'ai envoyé chez Carré, tu comprends que je l'ai envoyé chez Carré, puis j'ai envoyé chier 10 fois le juge, Carré, j'ai commis 2 méfaits, je suis censé te faire 4 ans de prison. Tu sais quoi les méfaits que j'ai faits? Pas tout, j'ai juste enlevé la feuille de plywood qui est en avant de la porte. Sais-tu combien ça m'a coûté? 60 000 $. C'est ridicule, hein? Oui. Fait que moi, monsieur... Là, en fait, le point, c'est là où vous voulez faire quoi? Vous attendez que... Moi, dans le fond, j'ai besoin de venir chercher mon numéro de la succursale, mon numéro de compte de banque, puis le transit. Parce que moi, il y a de l'argent qui est bloqué à quelque part, puis là, mais il faut que je rentre tout ça, puis je ne les ai pas par cœur, étant donné que j'ai tout perdu mes affaires, puis... Fait que c'était pas grand-chose. Moi, j'ai... Moi, là, puis j'ai demandé très poliment, très poliment, si dans l'amour, puis toute la patente. Parce que, pacifiquement, puis vous savez, moi, je suis un être souverain, en passant. C'est la souveraineté, ça veut dire que j'ai rien à voir avec les corporations. Okay. Je suis un être souverain. Okay. Fait que ça, c'est... La police va venir tantôt, là. Vous allez voir comment ça fonctionne, là. Fait que ils sont... Pas pour rien faire.
Moi, je suis un être souverain, je suis libre, je suis une personne entièrement libre. Avec tout ce qui s'en vient, avec la vaccination, savez-vous, moi, on s'entend, là, je vais pas donner l'information, mais vous allez toutes donner des propriétés. Des propriétés. Oui, vous allez donner des propriétés. Savais-tu quand les États-Unis sont en train de sortir un document que ceux qui vont avoir 3 doses et plus ne seront plus considérés comme des êtres humains? Et je ne veux pas te faire peur, là. Si vous pensez que vous n'aurez plus le droit de voyager à cause que vous n'avez pas de vaccin, là, tabarnak, vous n'êtes pas sorti de l'auberge. Vous savez que Vladimir Poutine, il les a collés dehors, l'OMS, pour affaire avec les vaccins? Fait que je te laisse deviner la suite. Mais évidemment, je ne suis pas là pour te donner d'informations ou faire quoi que ce soit. Je ne veux pas t'influencer dans tes choix. Pertinemment, je dois être, comme qu'ils disent, en détresse psychologique et tout, puis je suis pas au courant de rien. Je suis Patrick, j'ai des informations à tous les jours, puis à titre d'assaut. C'est moi. Vous êtes calme, vous êtes là, vous êtes courtois, vous êtes. Merci. Non, c'est important, puis c'est la seule façon que le message va passer. C'est qu'on veut juste à ce moment-là, là, comprenez-nous, c'est la position, c'est juste de dire qu'on a des règles à faire respecter, tout ça. Oui. On va à ce moment-là laisser, comme vous dites, vous êtes habitué, vous savez comment ça fonctionne. Oh oui. Mais là, en ce moment, depuis le 9 juin, vous savez que c'est illégal. Je vous tiens au courant. Okay. Quel est votre nom, monsieur? Moi, c'est Michel. Michel? Ouais. Parfait, Michel. C'est Patrick. Patrick Aymon, spécifiquement. Okay. Si vous voulez m'appeler, je ne vais pas trop vous donner mon numéro de téléphone. Non. Le message, il passe plus quand c'est dans l'amour, ces affaires-là. Les gens pensent que j'ai de l'influence parce que je suis gros, ces affaires-là. Pff, ça n'a rien à voir. Une belle pièce d'homme. Oui, mais j'ai maigri. Je me suis fait opérer pour la Simonac. Fait que j'ai eu l'ablation des 2 testicules. Fait que quand je mets un masque, dans le fond, ça me donne une érection. Fait que c'est gênant pour moi. Fait que, tu sais, si je ne veux pas mettre mon masque parce qu'il y a des choses qui arrivent, mais en tout cas, anyway. Je l'ai dit, esti. Oh, fucking shit. Moi, là, je demande juste d'être reconnu et de que mes droits soient respectés. Et je trouve ça dommage parce que, effectivement, je vais te poursuivre. Je trouve ça dommage, mais là, l'exemple que je vais faire, là, ça va. Moi, là, mes vidéos sont vues 35, 60, 70 000 fois. Là. Et voilà, les amis, la police, ça vient d'arriver. Oui, bonjour. Bonjour, on peut se parler ici? Ah, ben oui. Là, ça, c'est pour moi, vous venez ou pour lui? C'est moi qui ai appelé. Parfait. Excellent. Fait que j'aimerais ça qu'il va sûrement comprendre son nom au complet. Parce que moi, là, j'ai des droits fondamentaux. Moi, je suis souverain. OK? Moi, je comprends. Je suis un être souverain. Par contre, ici, chez Desjardins, on a une politique assez sévère. Oui, oui. Ils sont obligés, les clients doivent avoir des masques. OK. C'est comme ça. Mm-hmm. Donc, si vous n'avez pas de masque, c'est votre choix, puis c'est bien correct. Sauf qu'ils ne peuvent pas vous accepter à l'intérieur. Parce que là, c'est contre mes droits, là, parce qu'on s'entend ben, que la... C'est sûr que si vous sentez brumé dans vos droits, il n'y a pas de problème, sauf qu'il va falloir que vous fassiez une plainte. Oui, c'est ça que je vais faire, puis c'est exactement ça. Toujours pas, je ne peux pas les forcer à vous accepter aujourd'hui quand même. Non, non, mais moi, je suis pas là pour faire forcer personne. Okay, moi, je veux juste qu'on confirme que là, on va brumer mes droits, puis je vais pouvoir les poursuivre. Il n'y a pas de problème, vous allez pouvoir faire vos démarches à ce moment-là. Oh, that's it. Là, je fais comment pour aller chercher mes affaires, parce que j'ai des besoins fondamentaux. Qu'est-ce que vous voulez dire? Bien, moi, j'ai besoin de mon numéro de compte de banque, d'affaires-là. Fait que là, si je ne peux pas aller chercher mon argent, on a un petit problème. Puis, vous, dans le fond, c'est pas quelque chose que vous pouvez faire en ligne ou non. Par téléphone? Non, parce que je ne suis pas assez instruit pour aller la chercher. Ça, malheureusement, il va falloir que vous portiez un masque à ce moment-là. Si vous voulez faire avoir bénéficié de leur service et tout, si vous avez des choses là-bas. C'est que tu es en faute en me disant ça? Bien, ça, c'est votre opinion. Fait que non, je vais te le prouver en question. Ouais. Ton nom, c'est quoi? C'est Ménard, 11910. OK, parfait. Puis, ta collègue? C'est Orsini, 30636. Parfait. Fait que vous allez avoir une mise en demeure, vous aussi. OK, excellent. Puis, je sais que ça ne t'est pas arrivé encore, mais là, je sais que ça ne t'est pas arrivé encore. Qu'est-ce qui m'est pas arrivé encore? Bien, d'avoir une mise en demeure. Mais okay. Là, vous pensez ça? Vous me connaissez bien? Là, ça va venir. Ah non, je te parle d'une vraie mise en demeure. OK, une vraie mise en demeure. Ah ouais, OK. Fait que comme je vous dis, vous avez des recours, il n'y a pas de problème. Par contre, les autres, ils ne peuvent pas vous servir là, si vous ne mettez pas de masque. C'est la loi ici. Leur, OK, les amis, that's all. Parfait. OK? Merci. C'est bon, mais là, c'est quoi? Je peux-tu aller en prison? Aller en prison? Ouais. Pour? Ben, parce que là, il faut continuer. Continuer quoi? Faut continuer le processus. Mais c'est quoi le processus? Ben là, moi, je ne vais pas sortir. Moi, je vais être servi. Mais je vous l'expliquer. Hein? Je vous l'expliquer. Si non, vous ne vous conformez pas au masque, ouais. Ben, vous ne pouvez pas vous faire servir ici. Ben oui, mais moi, je vais demander à être servi. Mais c'est ça que vous ne comprenez pas, je pense, là.
Oui, mais tu vas me mettre en prison. Pourquoi? Ben parce que je vais pas ouvrir. Moi, j'ai pas. J'ai pas de contrat avec toi, moi. Non, je comprends. Mais pourquoi vous voulez aller en prison pour ça? Je vais pas aller en prison. Je te dis que tu vas me mettre en prison parce que je vais être servi. Okay. Fait que là, tu vas me lier les doigts, les affaires-là. Là, tu vas être en erreur. Tu vas être en faute. Je vais te mettre une vraie poursuite. Ben oui, je vais te mettre une vraie poursuite. Okay. Une mise en demeure, là, c'est fuck out, là. Okay. Moi, je veux que tu fasses une erreur de toi. That's it. Moi, comme je vous dis, si eux autres ne veulent pas vous servir parce que vous ne mettez pas de masque. Oui, mais eux autres aussi vont être poursuivis. Ils vous demandent de quitter, puis vous ne pouvez pas quitter. Effectivement, c'est sûr qu'on peut vous sortir. Ben oui. Puis non, il n'y aura pas de faute de ma part. Il y a quelqu'un qui décide de ne pas vous prendre comme client, qui décide de vous faire sortir. Okay. À ce moment-là, vous devez sortir. Parfait. Je vais sortir, mais je vais attendre que tu t'en ailles pour rentrer. OK. Désolé. Puis pourquoi vous faites ça? Ben parce que j'ai des droits qui sont fondamentaux. Moi, je suis souverain. Oui, non, ça, je comprends ce que tu veux dire. Ben, si tu veux aller te renseigner à ton supérieur, c'est quoi un souverain? Ben, j'ai pas besoin de mon supérieur pour savoir c'est quoi. J'ai parfait. Excellent. Fait que là, je vais sortir. Puis je vais attendre que vous en allez pour revenir. Ça va être la même chose qu'on va vous dire. Puis je vais attendre, puis je vais revenir. Mais moi, ce que je comprends pas, c'est pourquoi vous voulez absolument aller en prison pour ça. Je me dis que je voulais aller absolument en prison pour ça. C'est ce que vous m'avez dit. Non, c'est ce que vous faites. On le voit avec les autres. Vous les mettez en prison. Quel? Ben, mon chum François, Maléga. Je le connais pas. Pas grave. Comme je te dis, là, tu sais, en ce moment, là, je sais pas si c'est au courant, mais l'armée américaine est sur le territoire. OK. Parfait. Fait que vous allez avoir des mises en demeure, vous aussi, puis vous allez être jugé pour vos fautes, toute la patente, parce que vous endossez quelque chose qui est illégal. Ça me dérange pas, je vais faire vos accusations s'il y en a. Ah, mais ça sera pas juste des accusations, là. On va juger avec vos fautes que vous allez avoir. Parfait. Il y a quelqu'un qui jugera de ça. Parfait. Fait que là, fait qu'ils vous serviront pas ici. Ben, parfait. Fait que je vais sortir, c'est ça? Mais oui, exactement. Vous pouvez pas revenir, monsieur. Ah oui, je vais revenir. Ils vont vous rappeler, puis ça va être la même scène à répétition. Parfait. On va niaiser de même jusqu'à temps que... Jusqu'à temps que... Ça fonctionne pas comme ça, là. Ben, je te dis, moi, j'ai des droits fondamentaux. Je comprends votre point de vue. Tout le monde a des droits fondamentaux. Par contre, ils ont le droit, justement, de ne pas vous servir comme client. Ben oui, c'est ce que tu as cru. C'est ce que tu crois, okay. Mais non. De toute façon, j'ai l'impression que peu importe ce que je vais vous dire, ça ne sert pas pour votre affaire. Fait qu'à ce moment-là, ça ne sert à rien de continuer avec vous là-dessus. Là. C'est ça. Fait que... Bon, fait que notre conversation va s'éteindre là. OK. Et on va vous demander de quitter. Ça va terminer là. De sortir. De quitter. De quitter l'établissement d'ici. Parfait. Fait que je vais sortir des heures là. Ouais. OK, good. On sort, les amis. Fait qu'on attend. Fait que, on va attendre, eux autres sont là, ils attendent, fait que... Ah, que du plaisir, tu vois. Fait que, regarde. Oh ouais, une belle vidéo. Est-ce que je vais aller en prison? À un moment donné, si ça va faire. On va voir qu'est-ce qu'ils vont faire. Boy. Même pas capable d'aller à la caisse. J'ai oublié de leur compter ma maladie. Tabarnak, man. N'importe quoi. Fait que les amis, je me suis opéré pour la Simonac. J'ai eu l'ablation des deux testicules. Là, on a dû voir la face du gars quand je lui ai dit ça. Fuck, je sais, il m'a regardé, il fait hein? Tabarnak, man. Il faut s'amuser, man. C'est drôle. La vie est drôle, man. Ah, tabarnak. C'est incroyable. Hein? Alors, Patrick, avec la Simonac, qui a eu l'ablation des deux testicules, des érections avec le port du masque. Que Simon, c'est n'importe quoi. Il y en a un qui me dit, c'est quand? C'est avant-hier? Hey, Pat, il faut que je te pose une question. Je dis quoi? Il dit, Chris, tu t'es fait opérer deux testicules?
J'ai dit, Chris, pourquoi tu me demandes ça? Hey, c'est parce que les miennes sont gassantes en crise quand je me vire sur le côté, mon gars. Là, je fais, wow. Non. Asti, je veux pas savoir, man. Asti. Aïe. Fait que la police est là, puis elle attend. Fait que, hey, moi, il faut. J'ai besoin d'Asti d'aller chercher mon numéro, tabarnak. J'ai pas aucun document, Asti. Discrimination, le micro-pénis, ouais. Ouais, si, ouais. Tu sais, quand vous êtes pogné avec une Simonac, là. Simonac. Fucking shit. Tu sais, on fait valoir nos droits, tabarnak, puis on fait ça dans l'amour, dans l'énergie positive, puis toute la patente, puis que ça marche pas, man. Ça marche fuck out, là. Ah, bye-bye. OK, la police, elle reste là. Ils sont en train de... Fait que, en même temps, mais je vais en profiter pour vous dire mon projet, tiens. Fait que, vous savez, j'ai embarqué dans mon véhicule, puis j'ai commencé à aller partout un peu. Les amis, je vais continuer à faire ça, mais à pied. Je vais commencer à marcher, les amis, avec mon pack-sac. C'est vraiment intense ce qui se passe avec nos frères et sœurs autochtones, métis. Fait que je vais commencer à porter le message à pied, à travers ce que j'espère, aller à la rencontre des vieux dans les réserves et guérisseurs. Fait que je vais commencer à marcher, mon ami, mes amis, mes frères et sœurs, je vais commencer à faire la marche. Puis si je marche pendant 40 jours, je marche pendant 40 jours. Si je marche pendant 60 jours, je marche pendant 60 jours. Je veux que le message passe. J'ai un grand besoin d'unifier les êtres qui sont dans l'amour. Si vous voulez vous rejoindre à moi, that's it. Si vous voulez me regarder, faire partie de la... T'sais, dans le fond, tu veux faire partie de la parade? All right, c'est cool. Tu penses que t'as tout? J'ai tout perdu. J'ai tout perdu. J'ai plus rien. J'ai plus une astie de sang, j'ai plus une crise d'argent, c'est fuck out. Je peux même plus rouler avec mon truck. Je suis venu à la caisse parce qu'il y a eu des fonds dans le PayPal. Il y a 540$ qui est là dans le PayPal que j'ai pas encore pris. Fait que j'ai pas mes numéros par cœur de la caisse, le transit, tout ça. Puis c'est juste ça que je t'ai venu demander pour prendre le 540$ pour pouvoir manger. Mais bon, regarde, même si j'ai plus une scène, je vais marcher. That's it, that's all. Ça ira où est-ce que ça ira. Puis, regarde, on va aller. J'ai besoin de faire cette épreuve pour que le vieux du village voit mieux l'énergie. L'énergie qui est en moi. Fait que c'est ça, les amis. Jusqu'au bout. J'ai plus rien à perdre. J'ai plus fuck all rien à perdre. Et aussi, là, avec qu'est-ce qui s'en vient, l'armée américaine a sorti un dossier. Ce qui est important de savoir, c'est qu'ils vont plus reconnaître, après 3 ou 4 doses, les êtres humains qui vont avoir eu tous ces vaccins. C'est quelque chose. Et sont en train de créer des biens avec les humains. Avec la passe vaccinale, là, vous allez devenir toutes des propriétés. Et tous les êtres qui ne sont pas capables de se repentir ou qui sont dans le déni total, ça va se faire tout seul. L'énergie, elle va se faire tout seul. Puis soyez pas inquiets. C'est triste, mais regardez. Seuls les élus qui seront capables de se repentir vont être sauvés. Je dois être fou, hein? Sérieux, regarde, je m'en calisse. Je dois être dans le détresse psychologique, comme qu'ils disent. Hein? Ben oui, je suis en détresse, en tabarnak, je te jure. J'ai eu des comportements d'égo. C'est sûr et certain. Il y a certains comportements que de la façon que j'ai agi à certains endroits, sont pas dans l'amour, dans le fond. Fait que, tu sais, je dis que je fais
Ben, je dis pas, là, mais j'aime savoir que je suis dans la lumière. Puis c'est sûr qu'il y a certains messages que je passe que c'est pas dans la lumière. Fait que la police est là, les amis. Fait que je sais pas combien de temps ça va durer. Fait que, ils sont là, ils vont attendre. That's it. Ils vont attendre longtemps, ils font des téléphones. Fait que on va voir. Fait que c'est ça. Fait que là, pour le moment, c'est tranquille. J'imagine qu'ils vont pas rester là toute la journée. Fait que c'est ça, les amis. Fait que je répète, Patrick, avec la Simonac. Ça a dû voir la face du gars. Petit colis, ça c'est. Je vais me promener avec ça, hein. C'est trop drôle, moi, la face du monde, hein. T'arrives, si bonjour. Hey, ça te prend un masque? Ah, non, écoute, je viens d'avoir une grosse opération, là. Ah oui? Ah oui, moi, j'ai eu une opération pour la Simonac. J'ai eu l'ablation des deux testicules, fait que quand je mets un masque, ça me donne. Je portais avoir une érection, fait que. C'est juste de voir la petite face du monde, hein. Hein? Tu sais, c'est quoi une crise de Simonac? Ben, c'est ça. Tu pourras jamais savoir c'est quoi une Simonac. Juste ceux qui ont des Simonac savent que c'est quoi une Simonac. J'ai ri assez en fin de semaine parce que j'étais chez un de mes chums, puis là, ça en parle avec sa blonde, puis tout. Puis je dis, je parlais de la Simonac, puis sa blonde, elle dit, c'est quoi ça, une Simonac? Fait que je regardais mon chum, j'ai dit, sa blonde, elle t'as tout, là. C'est clair, elle a dépressé. C'est calice, mon gars. Il dit, arrête de niaiser, là. Ben, tu veux savoir c'est quoi notre Simonac? Arrête de niaiser, ferme-la, Chris. Ben là, tabarnak, il parle de la Simonac. Je veux savoir c'est quoi la Simonac. Arrête, tabarnak, ferme-la. Je dis, gros, man, t'as pas une Simonac, c'est tout. T'as dit dans ça, là. Là, j'ai dit, je te montrerai jamais c'est quoi une Simonac. Si tu vas crisser ton chum, là. Ben non, c'est pas vrai. Si on arrête de niaiser, là. Tabarnak, qu'est-ce que tu m'as dit? C'est incroyable. Michel, tu t'en souviens, hein, Michel? C'est le cas, là. C'est là, mon chum. Acheter à mon gars. Est-ce que tu fait que c'est ça, on rit, on a du fun, mais la vie est trop courte. Est-ce qu'il faut s'amuser, man? Bye. Fait que c'est cool. Fait que là, on attend, là, la police est là. Elle sait pas, ils sont en train de sortir, en train d'écrire, je sais pas qu'est-ce qu'ils écrivent, tout, je sais pas, en tout cas, anyway. Bye. T'es qui toi? Fait que c'est quoi? On s'amuse, mais on a du fun. Tu sais, habituellement, des Simonacs, là, quand on se met dans la langue du soleil, là, ça fait de l'ombre. Fait que si vous voulez aller voir, si vous avez des Simonacs, mettez-vous dans la langue du soleil. Puis ça fait pas d'ombre, mais désolé, vous avez pas de Simonac. si, bon, ce répertoire est pour une audience de 18 ans et plus. Imagine d'avoir le petit gars dire à papa, « Hey, papa, j'ai écouté Patrick, il parle de Simonac. »« Oh, je sais pas c'est quoi une Simonac, qu'est-ce que c'est? » Calice de Christ, arrêtez de niaiser, merde, c'est tabarnak. D'écouter, j'ai plus l'impression que c'est l'ablation du cerveau que tu as subi. Ben oui, puis toi, t'es là, le crétin, tu écoutes mon live. Est-ce que le monde sont épais? Ah, tabarnak, man, si t'es pas content, change de page, je dis, man, bloque-moi, ici, va ailleurs, ici. Tabarnak, que le monde soit ici, moi, écoute, l'imbécilité humaine, man. Quand je vois des commentaires de même, je sais même pas qu'est-ce que tu fais là, man. Qu'est-ce, le gros, man, des calices, asti, man, je suis pas là pour te faire plaisir, moi, ici. Tabarnak, t'es pas content, écoute-moi pas, man, asti, tabarnak. Fais semblant de partir. Ah ouais, fais... Ouais, tu veux que je joue, là. Tu veux que je fasse la semblant de partir. Tabarnak. Ah, boy. Fait que, en tout cas, anyway. Tu veux que je fasse la semblant de partir? OK, il y a un sapin ici, là. On va faire le tour du sapin, OK? On y va? OK, good. On y va, on fait le tour du sapin. Good, OK, parfait. Là, vous voyez pas comment je marche, mais je marche comme... je marche tout croche, comme si j'étais... Fait que, OK, une bonne fontaine ici. Sur le trottoir, on tourne. OK, parfait. Là, on fait semblant de partir, parce qu'il y en a un qui me dit, il fait semblant de partir. OK, parfait. Fait que je fais semblant de partir. Fait que je fais semblant de partir. Fait que là, je suis parti. Mais je tourne en haut. Ouais. Ah, la police est là. Calice. Bon, finalement, il y a juste un char de police. Hey, je suis revenu. OK, je suis revenu.
une petite marche. Je suis revenu m'aller dans mon coin parce qu'on est à Londres. Ah! Tabarnak, je suis essoufflé, man! Aïe, aïe! Arrêtez de niaiser ici, man! En tout cas, ce qui est pratique de l'ablation des testicules, c'est que quand tu marches, ça fait pas flop, 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 tu sais. Fait que, les amis, regardez, on va, je vais pas rester ici parce que j'ai un autre projet, mais je veux juste montrer la stupidité de la chose. Fait que je vais aller me préparer pour mon projet, dans le fond, parce que mon projet, c'est de colisser mon camp à pied puis commencer à marcher. Fait que, c'est ça, je vais faire des lives à un moment donné. Fait que, vous savez, il y a rien à faire, vraiment, rien à faire. Fait que c'est juste de créer des poursuites puis that's it, that's all. Fait que, c'est ça. Là, Eric, il dit désolé, tu es carrément dans le champ là-dessus, mais je sais même pas de quoi tu parles, Eric. Tu parles-tu de Massimonac? Yes, il a jamais vu Massimonac, man. c'est correct. Fait que je vais les laisser tranquilles, les pauvres petits. Ils ont vraiment des criminels à aller arrêter. Fait que, moi, dans le fond, je voulais juste montrer ça, ce petit live-là. Fait que je vais aller commencer à me préparer, puis je vais commencer à marcher. Fait que chaque jour, je vais vous faire des messages de où est-ce que je suis rendu. Comme je vous dis, s'il y en a qui veulent faire partie de la parade, vous êtes les bienvenus. Je ne sais pas pendant combien de temps on va marcher, 40 jours, 50 jours, 10 jours. Moi, mon but, c'est d'amener un peu de sensibilité avec ce que nos Autochtones y vivent en ce moment, en train de se faire vacciner à solide, à leur colisser le variant dans leur réserve, avec la passe vaccinale qu'ils ont commencé à avoir. Je trouve ça dégueulasse, dégueulasse, dégueulasse. Ils sont pas instruits comme vous autres, puis ils se font avoir par la maladie parce qu'ils ont peur de crever, man. Puis les gouvernements, c'est de la corruption totale. Nous sommes souverains. Arrêtez. Vous êtes tous des souverains. On va la trouver, la petite terre. Je vais en trouver une place, regarde, faut se mettre ensemble. C'est pas maintenant, faut se mettre ensemble, mes amis. Fait que, hey! Vous savez que je vous aime, hein? Oh, yeah! C'est bye, là, c'est tout, 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 tout. Je vous aime au bout. Fait que, on lâche pas, les amis. Fait que, je vous souhaite une belle après-midi. I love you. Ouais, ça, c'est en anglais. Yes! À tous les Canadiens et les Canadiennes, les Québécois et Québécoises, et à tous les êtres de lumière de la Terre, illuminez-vous! Suivez la guidance. Elle est écrite. Embarquez dedans. C'est ça que je vais faire moi ici. Ciao!